Blessed be
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers participants de cette nombreuse et festive assemblée, l'installation du nouvel évêque de Strasbourg vient coïncider avec ce dimanche dit du bon pasteur. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un pur hasard, mais plutôt d'un bon présage, d'une inspiration et d'une grâce du Seigneur pour le nouveau chemin pastoral de Monseigneur Pascal Delannoy dans ce beau pays d'Alsace si attachant. Moi, je suis le bon pasteur, nous dira Jésus, dans l'évangile de ce jour. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Aujourd'hui, exprimons toute notre gratitude au Seigneur ressuscité, en lui demandant que le ministère de nouvel archevêque puisse conduire cette communauté ecclésiale et cette société civile au Seigneur, au service de l'espérance et d'un sens à nos existences et à notre humanité. Monseigneur Delannoy a présenté hier au chapitre cathédral une lettre du siège apostolique le désignant à la charge d'archevêque de Strasbourg. Veuillez nous la présenter et qu'on fasse la lecture de sa traduction en français. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère Pascal Delannoy, jusqu'alors évêque de Saint-Denis en France, nommé archevêque de Strasbourg, salutations et bénédictions. La charge est plus grande pour les évêques que pour les fidèles, mais bien portée, elle procure une gloire plus grande. Portée d'une manière infidèle, elle précipite dans un châtiment épouvantable. Inspirée par la gravité de ses paroles, nous pensons sans cesse à cette si grande responsabilité qui est la nôtre et celle de nos frères dans l'épiscopat, que nous portons chaque jour comme un joug qui nous est imposé par le Seigneur dans l'exercice fidèle de nos devoirs, pour la plus grande gloire de Dieu et le bien du peuple saint. C'est pourquoi nous portons notre pensée vers la communauté ecclésiale de Strasbourg, qui actuellement vacante à la suite de la renonciation de son précédent évêque, le vénérable frère Luc Ravel, des chanoines réguliers de la congrégation de Saint-Victor, attend avec piété son nouveau pasteur. Nous avons pensé à toi, vénérable frère, dans la mesure où tu accomplis déjà tes tâches épiscopales avec une abondance de diligence, de prudence et de doctrine. En tenant compte de ces qualités
et des autres manifestations de ta sollicitude pastorale, nous te considérons comme apte à exercer cette charge. Par conséquent, ayant été exercé les prérogatives qui appartiennent au président de la République française, en vertu des articles 4 et 5 du Concordat du 15 juillet 1801, encore en vigueur dans les régions d'Alsace et de Lorraine, en vertu de notre autorité apostolique, ton lien avec le diocèse de Saint-Denis en France ayant été dénoué, nous te nommons et te constituons archevêque de Strasbourg avec tous les droits, facultés et offices qui y sont attachés selon de droit. Il est de notre volonté que le clergé et le peuple de ton archidiocèse soient informés de cette décision. Nous les exhortons tous à suivre, sous ta conduite et avec conscience, les enseignements du Christ dans leur vie quotidienne. Enfin, nous t'encourageons, vénérable frère, à te consacrer avec une énergie renouvelée à ce nouveau service apostolique, en te souvenant toujours que le Seigneur Jésus a demandé à tous ceux à qui est-on confié le soin des âmes de reconnaître leurs brebis, de s'offrir en sacrifice pour elles et de les nourrir par la prédication de la parole de Dieu, l'administration des sacrements et l'exemple de toutes les bonnes œuvres. Donné à Rome au Latran, le 26 octobre de l'année du Seigneur 2023, la 11e de notre pontificat. François. Date du 7 février 2024,
Le Conseil d'État, section de l'Intérieur, entendu, la bulle donnée à Rome le 26 octobre 2023 par sa sainteté le pape François est reçue en tant qu'elle confère l'investiture canonique à Mgr Pascal Delannoy en qualité d'archevêque de Strasbourg. Monseigneur, chers frères dans l'épiscopat, cher Pascal, nommé administrateur apostolique en mai 2023, c'est-à-dire il y a 11 mois, le moment est venu pour moi de transmettre le flambeau, ou plutôt le tablier de service, à celui qui a été nommé archevêque de Strasbourg par le pape François. Comme Jean-Baptiste, si j'ose dire, il faut que je diminue, ce qui se fait naturellement depuis quelques semaines, pour que tu grandisses, cher Pascal. Ces quelques mois au cours desquels l'Alsace et la Moselle, nos deux diocèses concordataires de Strasbourg et de Metz, se sont soutenus et aidés, ont renforcé l'estime mutuelle et l'amitié fraternelle. Pascal, tu deviens donc le 107e évêque de Strasbourg, le 5e archevêque de ce diocèse. Je suis heureux de t'accueillir dans cette cathédrale si attachante et si connue. Je t'accueille au nom du chapitre cathédral, des prêtres, des diacres, des membres de la vie consacrée et plus largement de tous les fidèles du diocèse, quelle que soit leur mission ou leur état de vie. Le genre littéraire d'un tel discours est celui de la bienvenue.
les remerciements étant d'ordinaire réservés pour les départs. Je me sens cependant poussé à t'exprimer dès maintenant et en préambule à tout le reste, au nom de tous les diocésains, un très grand merci. Merci d'avoir répondu à l'appel du Saint-Père de prendre en charge ce beau et grand diocèse qui attendait son nouveau pasteur avec sûrement un peu d'impatience, mais surtout beaucoup de confiance. Dès l'annonce de ta nomination, nous avons prié pour toi, mais également pour nous, avec ces simplement « Rends-nous ouverts et accueillants à celui qui nous est envoyé comme évêque. » Beaucoup feront tout, chacun à son niveau, pour que ta disponibilité à l'appel de l'Église soit honorée. Tu découvriras alors combien peut surgir ce qu'on pourrait appeler une émergence de fraternité. On pourrait dire aussi une attente de fraternité, car dans tout ce que nous entreprenons, nous percevons de plus en plus qu'il nous faut vivre d'abord des relations fraternelles. Nous prenons conscience que c'est lorsqu'elles existent que peut se développer la mission. Elles sont comme un préalable à toute organisation, fût-elle la plus réussie. Et la fraternité ainsi vécue n'est possible que si la paix de Dieu est toujours présente dans nos cœurs. L'Alsace est un beau diocèse. Tu vas la découvrir en profondeur, en particulier dans les visites pastorales que tu as déjà évoquées dans la première conférence de presse que tu as accordée. Pleinement intégrée à la France et à sa République, pour laquelle elle prie chaque dimanche, comme en Moselle. Elle est marquée par son histoire, une histoire particulière qui explique les particularités auxquelles elle se trouve très attachée. C'est ainsi que les trois empires allemands y ont laissé leurs empreintes. Elle a d'abord appartenu au Saint-Empire romain germanique jusqu'en 1648, ce qui lui a donné d'être touchée très rapidement par la réforme de Luther. Cette cathédrale a été protestante pendant plus de 150 ans. Même si le dialogue œcuménique se trouve aujourd'hui élargi par la venue de chrétiens orthodoxes venus de l'Est, ou le développement des églises évangéliques, ton ministère épiscopal s'inscrira dans un rapport étroit avec nos frères et sœurs luthériens et réformés. Intégré au Reichsland entre 1871 et 1919, l'Alsace n'a pas connu les grands combats de la laïcité menés par la Troisième République. Pendant que tout enseignement public se voyait interdit aux religieuses, nos sœurs enseignantes se dévouaient à la satisfaction générale dans un très grand nombre d'écoles publiques. Surtout, la loi de 1905 instituant la séparation des églises et de l'État n'y a pas été introduite, de sorte que le concordat de 1801 continue d'y être appliqué. Il t'a valu, nous l'avons entendu, comme pour moi d'ailleurs, d'être nommé conjointement par le pape et par le président de la République. Nous tenons beaucoup à notre droit local. Nous tenons beaucoup au concordat qui est comme son socle. Les mots qui caractérisent notre identité et nos liens sont confiance, concorde, convention, accord, ou ne pas s'ignorer, se rencontrer, échanger, s'écouter, avoir le souci partagé du bien commun. Le concordat invite à rechercher l'unité, la communion entre des pensées qui se distinguent sans s'opposer.
On dirait une marche ensemble avec comme une dimension synodale naturelle. Ce que nous vivons ainsi peut inspirer les autres départements et régions en France qui voient parfois la séparation voulue en 1905 risquer de se transformer en séparatisme et des oppositions favoriser une archipélisation de la société. N'allons pas plus loin dans ces éléments historiques. Ces exemples montrent combien une histoire particulière s'inscrit dans une pensée nationale, européenne, étant quelque peu en Moselle, je pense au vénérable Robert Schuman, et aussi internationale. La très belle célébration d'Action de grâce à Saint-Denis, mercredi soir, a montré combien tu as servi et aimé le peuple qui t'avait été confié pendant 15 ans. Ta famille, tes amis, tes anciens collaborateurs et beaucoup de diocésains t'accompagnent aujourd'hui et sont présents. Qu'ils soient les bienvenus et qu'ils n'hésitent pas à revenir. Tu apprendras à partir d'aujourd'hui à aimer l'Alsace, ses habitants, son histoire, ses singularités. Mais tu apprends vite, Pascal, car nous voyons que tu l'aimes déjà. Je n'en doute pas, l'Alsace t'aimera. Que dis-je, elle t'aime déjà et t'accueille avec joie et enthousiasme. Que l'Esprit-Saint t'accompagne et te guide dans ton nouveau diocèse, ainsi que dans la mission épiscopale que tu continues. Monseigneur Delannoy, vous voici parmi nous en votre cathédrale. Et c'est de là que vous contemplez votre église diocésaine, que vous confie le pape François, cette église d'Alsace que le Seigneur considère comme un bien précieux et qu'il aime. Le passé glorieux de notre église, dont cette cathédrale est de quelque façon le témoin et le symbole, s'enrichit aujourd'hui de la mission que vous initiez au milieu de nous. Cette Église qui a donné tant de saints et de missionnaires est heureuse de vous souhaiter par ma voix une très cordiale bienvenue et un ministère épanouissant au milieu de vos fidèles. Tout d'abord, l'espace. Si le temps est supérieur à l'espace, il nous faut tout de même le prendre en compte. L'Alsace s'étend sur 8280 km² entre Vosges et Rhin. La géographie de votre grand diocèse se confond avec celui de la collectivité européenne d'Alsace, créée le 1er janvier 2021, à savoir sur deux départements, le Haut et le Bas-Rhin. Cela ne vous avait pas échappé puisque vous-même évoquiez l'ampleur du diocèse à découvrir. Terre mariale, avec des sanctuaires majeurs tels que Marienthal, les Trois Épis et Tirrenbach, il y fleurit également une multitude de chapelles où règne en mer la Vierge Marie. Il est une dimension qui rend le diocèse de Strasbourg singulier, c'est l'Europe. Le vitrail de Notre-Dame de Strasbourg qui illumine l'abside du chœur en témoigne. Le drapeau européen y figure à son sommet et la dédicace écrite au pied de la Vierge rappelle qu'ici, au milieu du siècle, afin de mettre un terme à leur lutte, les peuples d'Europe s'assemblèrent à Strasbourg pour accomplir cette œuvre. L'espace alsacien est un pont entre deux cultures, la française et la germanique. Terre de conflit et de réconciliation, l'Alsace promeut la concorde.
Cette réalité s'enracine depuis longtemps dans les cœurs des hommes et dans l'agir des institutions. L'Église de Strasbourg que le Seigneur vous envoie servir est riche de grâces dont vous ferez rapidement connaissance. En témoignent ses ressources morales et spirituelles, ses expressions de charité et d'engagement éducatif, la générosité pastorale des prêtres, des diacres, des personnes consacrées et des fidèles laïcs. L'itinéraire écuménique, le dialogue entre les religions, l'attention aux non-croyants, l'accueil de ceux qui viennent de loin, l'ouverture à l'Europe et au monde. Une des grâces de notre Église d'Alsace est qu'elle est également régie par le Concordat, le dialogue des cultes avec la puissance publique, à la recherche du bien commun, est toujours riche et fécond. Philippe Richert, ancien président de la région Alsace, l'avait synthétisé dans cette belle formule « Ici Marianne et Odile se regardent ». Le temps. Dans son exhortation Evangelii Gaudium, le pape François invite à initier des processus nouveaux sans être obsédé par des résultats immédiats. Le paysage religieux alsacien évolue. Du temps. Il en faudra pour accompagner les personnes et les structures. De l'audace aussi pour annoncer l'Évangile dans les conditions d'aujourd'hui. La population en Alsace avoisine les 2 millions d'habitants. Une estimation publiée dans l'annuaire diocésain annonce 1 365 000 catholiques. Une population catholique diversifiée, des pratiques pastorales variées. Conscient qu'on ne peut plus se contenter de croire seulement par habitude, nous travaillerons avec vous dans la vigne du Seigneur pour qu'elle porte de beaux fruits. Cela prendra du temps. Nous en avons tous conscience. Vous sollicitiez la patience des Alsaciens lors de votre conférence de presse du 12 avril dernier. Monseigneur, nous vous l'offrons. Notre diocèse, Monseigneur, est une réalité géographique sur laquelle sont plantées 767 paroisses, regroupées en 166 communautés de paroisses. 600 prêtres, dont 400 diocésains, vivront en communion avec vous et dans l'obéissance, tout comme les diacres et les laïcs en mission ecclésiale. Parmi nous, une quarantaine de prêtres, Fidei Donum, et une trentaine de prêtres en mission d'études. La faculté de théologie, faculté d'État, assume depuis 100 ans la formation des prêtres et des laïcs désireux d'approfondir leurs connaissances des sciences religieuses. Nos 300 religieux et 1000 religieuses vous soutiennent de leurs prières et continuent de travailler à la sanctification du monde. Fidèles au charisme de leur institut, ils manifestent le Christ aux autres par le témoignage de leur propre vie. Comment ne pas évoquer Caritas Alsace ? 1800 bénévoles répartis dans différentes équipes sont la main tendue du Christ aux blessés de la vie. Ils sont rejoints dans leur apostolat par les aumôniers et les aumônières de prison, ceux en milieu hospitalier et tous les bénévoles liés aux structures qui forment le Conseil diocésain de charité. Avec les catéchistes et les intervenants de religion à l'école, au collège et au lycée, ils se trouvent sur la ligne la plus avancée de l'Église. Pour eux, l'Église est le principe vital de la société humaine. Ils ont une claire conscience d'être la communauté des fidèles sur la terre, sous la houlette du pape et la vôtre. Ils sont l'Église, selon l'expression de Pie XII, qui date de 1946 et qui demeure d'actualité. Je venais d'évoquer les catéchistes scolaires. En effet, ce statut particulier à l'Alsace-Moselle permet d'enseigner le fait religieux même dans l'école publique et bien plus encore dans les établissements de l'enseignement catholique, parmi lesquels les collèges épiscopaux de Valbourg, Colmar,
Saint-Étienne de Strasbourg et le Tselisheim. Enfin, Monseigneur Ballot vous a probablement dit que notre Église diocésaine est jeune, puisqu'il a accueilli 130 nouveaux baptisés à Pâques. Avec les confirmants adultes de la Pentecôte, ils seront bien accueillis dans nos communautés, nos mouvements d'Église ou les associations de fidèles. Avec eux, avec nous, Monseigneur, vous regarderez vers le Christ, vous nous montrerez le Christ. Marie qui veille sur notre cathédrale et les saints évêques de Strasbourg et avec sainte Odile, notre Odile, nous aiderons à accomplir chacun, selon ses responsabilités et son charisme, la mission avec humilité et confiance. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté d'être le père et le pasteur de ce peuple d'Alsace. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, gloria voluntatis. Laudamus Dei. Benedicimus Dei. Laudamus Dei. Glorificamus tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Par Jésus,
le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Thank you.
La version française de la deuxième lecture se trouve à la 8e page du livret de cette célébration. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Schwestern und Brüder, seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wort des lebendigen Gottes, Parole du Seigneur. Dank sei Gott. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui.
S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, le nonce apostolique le soulignait déjà dans son mot d'accueil et de bienvenue, mais quelle joie, oui vraiment quelle joie, que la célébration de mon installation comme 107e évêque de Strasbourg ait lieu en ce quatrième dimanche de Pâques, qui est également le dimanche du bon pasteur, le dimanche des prières pour les vocations. En effet, ce dimanche nous invite à nous remettre ensemble dans la diversité de nos âges, de nos charismes et ministères, en présence de celui qui nous appelle et ne cesse de nous appeler. Les multiples témoignages des catéchumènes, jeunes et adultes, qui furent baptisés lors de la veillée pascale, ont rappelé, s'il en était besoin, l'actualité de cet appel. Oui, encore et toujours, Dieu appelle. Il ne nous appelle pas d'abord à accomplir une mission, aussi belle soit-elle. Il nous appelle d'abord à entrer dans une relation de confiance et d'amour. Une relation qui transforme nos vies et fera de nous ses fils et ses filles. Saint Jean, dans la deuxième lecture, s'en émerveillait. Bien-aimé, disait-il, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. La force transformatrice de l'amour divin, ce que nous appelons la conversion, transparaît également dans les lettres de ceux et celles qui ont reçu le baptême lors de la veillée pascale. Ils et elles se disent plus patients, plus à l'écoute, moins enclins à juger
voire à condamner, plus accueillant également au pardon et à la miséricorde. Tous ces témoignages ne peuvent que nous inviter à relire et à méditer ce magnifique passage du chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, où saint Paul énonce les caractéristiques de l'amour que Dieu nous appelle à vivre. Nous l'entendons souvent lors des célébrations de mariage, nous rappelant ainsi la mission des couples au sein de notre Église qui choisissent de s'unir par le sacrement du mariage. Quelle belle mission que de traduire par l'amour conjugal ce qu'est l'amour divin, d'en être les humbles reflets ici-bas sur cette terre. Que dit l'apôtre Paul dans ce fameux chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens? L'amour, dit-il, prend patience. L'amour, dit-il, rend service. Il ne jalouse pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il trouve sa joie dans la vérité. Dieu appelle. Même quand nous pensons n'avoir rien à lui donner ou à lui offrir, même quand nous pensons que nous n'en sommes pas dignes, Dieu nous appelle à entrer dans sa vie. Son amour est gratuit et nul ne peut prétendre l'avoir mérité. Dieu appelle. Son projet n'est pas que nous demeurions des personnes isolées, séparées les unes des autres, mais qu'ensemble, animés par notre foi au Christ, nous soyons l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Le Concile Vatican II nous propose une définition de l'Église que j'aime beaucoup et que je vous partage. L'ensemble de ceux qui regardent avec foi vers Jésus, auteur du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a appelés. Il en a fait l'Église pour qu'elle soit aux yeux de tous et de chacun le sacrement visible de cette unité salutaire. Pour que l'Église soit fidèle à sa mission, pour qu'elle ait à cœur d'annoncer l'Évangile, pour qu'elle ait à cœur de travailler à la communion et à l'unité, Dieu ne l'abandonne pas. Il lui fait don de ses ministres ordonnés, que sont les diacres, les prêtres et les évêques. Alors merci à vous, frères diacres, de nous rappeler que tous, vraiment tous, sont appelés par Dieu, y compris ceux et celles qui souffrent, les blessés de la vie, qui vivent dans la précarité. Au-delà de l'action caritative, tellement vivante dans notre diocèse, veillez à ce que notre Église puisse également entendre leurs paroles, non pas l'écouter d'une oreille distraite, mais entendre leurs paroles afin de s'en nourrir. Frères prêtres,
Il y a quelques semaines de cela, lors de la messe chrismale, vous avez renouvelé vos promesses sacerdotales et exprimé votre volonté de vivre votre ministère avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église. Votre générosité vient de nous être rappelée dans la présentation de notre diocèse. Alors merci à vous. Merci pour tout ce que vous accomplissez au quotidien et que vous aurez à cœur de me faire découvrir. Merci pour votre disponibilité à la mission. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à témoigner de votre joie d'être prêtre depuis peu ou depuis de nombreuses années, notamment auprès des jeunes qui peuvent s'interroger sur le sens à donner à leur vie. Lors de la célébration de la messe chrismale, comme tous les évêques à travers le monde, j'ai formulé auprès du peuple de Dieu cette demande. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse. Que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. En formulant cette demande, le 26 mars dernier, je pensais bien sûr à vous, frères et sœurs. Je pensais au diocèse de Strasbourg qui bientôt me serait confié. Et j'étais animé par cette simple question. Comment être aujourd'hui dans ce diocèse tellement vaste, mais aussi tellement riche, cela nous a été rappelé également. Comment être dans ce diocèse, bon pasteur, maître et serviteur de tous. L'évangile de ce dimanche, l'évangile du bon pasteur, me donne et nous donne, car finalement nous sommes tous concernés par la réponse, l'évangile de ce dimanche me donne quelques points de repère que vous m'aiderez à mettre en œuvre. Il s'agit, nous disait le Christ, il s'agit tout d'abord de connaître. Le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Afin de mieux nous connaître, à la rentrée prochaine, je débuterai une visite pastorale de notre diocèse. Elle me permettra ainsi de vous connaître, mais aussi de découvrir les richesses et les projets de vos paroisses et de vos mouvements. Elle me permettra de découvrir également toute cette richesse qu'est la présence de la vie religieuse. Quel bonheur d'arriver dans un diocèse où les communautés religieuses sont encore aussi nombreuses et rayonnantes. L'Évangile poursuit et nous donne un deuxième point de repère. Il s'agit ensuite de maintenir l'unité. Car ce qui peut arriver de pire aux troupeaux rassemblés, c'est d'être dispersé par le loup.
Et nous ne le savons que trop bien. Dans nos communautés chrétiennes, le loup prend trop souvent le visage de la division et des ressentiments. Ensemble, guidés par l'Esprit Saint, ayons toujours à cœur de surmonter les divisions en écoutant la parole de Dieu, cette parole qui est source d'unité. Les brebis, disait le Christ, écouteront ma voix. Il y aura un seul pasteur et un seul troupeau. Écouter la voix du Christ, c'est cheminer ensemble vers l'unité. Écouter la voix du Christ, écouter la parole de Dieu, c'est aussi préparer à chacune de nos messes, c'est préparer nos cœurs à la célébration du sacrement de l'unité qu'est l'Eucharistie. Enfin, l'Évangile de ce jour nous demandait de rester attentifs aux brebis qui sont encore en dehors de l'enclos. Soyons une Église accueillante, une Église ouverte au dialogue, une Église qui respecte le pas de chacun et qui prend le temps de marcher avec chacun. Trois points de repère parmi tant d'autres que nous propose cet évangile, l'évangile du bon pasteur. Trois points de repère que j'aurai à cœur de mettre en œuvre avec votre soutien fraternel et votre prière au cours des mois à venir. Ainsi, le dimanche des vocations est un dimanche un peu particulier. Il nous rappelle que si tous sont appelés par Dieu, certains reçoivent un appel particulier afin qu'aucun n'oublie qu'il a été appelé ou qu'il peut être appelé. Ensemble, frères et sœurs, laïcs, diacres, prêtres, consacrés, évêques, ensemble, puissions-nous entrer toujours davantage dans cette belle dynamique d'un Dieu qui nous appelle à entrer dans son amour, à entrer dans la vie éternelle.
ex patre nato, ante omnia saecula. Substantialem patri, per quem omnia facta sunt. Qui poternos homines, et poternos sans salute, descendite et celis. Et incarnatus est, le Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus, vita pro nobis, supposio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scriptoras. Et facere dicerum, sede patesera patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fin. Cum patre et filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. In remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturis seculi. Pasteur veut conduire toutes les brebis dans son amour, élargissons notre prière aux dimensions de toute l'humanité. Archevêque Pascal et pour tous nos pasteurs, qu'ils s'efforcent de conduire avec soin le troupeau que le bon pasteur leur a confié. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, pour les personnes appelées par l'Église à servir leurs frères et sœurs.
qu'elles répondent généreusement à l'appel du Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous, exauce notre prière. Pour tous les peuples de la terre, que cessent les guerres et les violences qui les éprouvent. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous, exauce notre prière. Pour tous les affligés, pour les malades et les personnes isolées, que leur peine se transforme en une joie que personne ne pourra leur enlever. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous, exauce notre prière. Pour notre assemblée, réunis dans la joie de ce jour, qu'elle rende témoignage de la résurrection du Christ avec une grande foi. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous, exauce notre prière. Unique berger de ton peuple, Seigneur ressuscité, nous te prions. Ravive en nos communautés chrétiennes le désir de faire connaître ton nom à tous, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques. Qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Or, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Thank you.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Pascal, qui préside cette Eucharistie, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Yeah.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Thank you.
Thank you.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en cette terre d'Alsace, régie par le Concordat, prions pour notre pays et pour le bien public. Domine, salvam patrem publicam, et exaudi nos in die, qua invocaveremus te. Tu veilles sur toutes choses de manière admirable. Accueille les prières que nous t'adressons pour notre pays. Donne la sagesse à nos gouvernants, aux citoyens le sens de leurs responsabilités, afin que s'affermissent la justice et l'harmonie entre tous et que la paix favorise un bonheur durable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Au terme de cette belle célébration par laquelle nous avons voulu confier au Seigneur la mission qui m'est confiée, permettez-moi de vous remercier, frères et sœurs, mesdames et messieurs, pour votre présence et votre prière qui me touche beaucoup. Merci à vous, Monseigneur le nonce apostolique, d'avoir présidé le début de notre célébration et de représenter ici le pape François. Vous voudrez bien lui exprimer ma reconnaissance pour sa confiance et l'assurer de mon désir de me consacrer avec cœur à ce nouveau service apostolique. Merci à vous, Madame la Préfète, de m'avoir accueilli en préfecture le 11 avril dernier pour que me soit remise, conformément à la procédure concordataire, la bulle de nomination que le Saint-Siège avait fait parvenir à Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. Merci à vous, chers frères évêques, pour votre présence et votre prière. La collégialité épiscopale n'est pas un vain mot, et nos assemblées de Lourdes en sont l'un des signes, ainsi que les rencontres régionales avec les évêques d'Allemagne et de Suisse. Merci tout particulièrement à Mgr Philippe Ballou, qui pendant près d'un an a administré le diocèse de Strasbourg avec la complicité du père Jean-Luc Liénard, que je remercie d'avoir accepté ma proposition de poursuivre à mes côtés sa mission de vicaire général. Je compte également
sur l'aide et l'expérience que Mgr Christian Kratz saura m'apporter comme évêque auxiliaire et comme vicaire général du diocèse. Merci à mes prédécesseurs qui ont œuvré ici. Certains sont dans l'Église du ciel, certains sont encore présents dans l'Église qui est ici sur la terre. Merci à eux, merci à Mgr Doré d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous, mesdames et messieurs les députés et maires. Merci à vous, mesdames et messieurs les représentants des différentes instances administratives, militaires, judiciaires ou politiques de notre région, mais aussi de l'Europe. J'espère que nous aurons l'occasion de faire davantage connaissance dans les semaines et mois à venir. L'Alsace est une terre de rencontres et de dialogues. La présence parmi nous des représentants des communautés chrétiennes, protestantes, évangéliques, orthodoxes et anglicanes, mais aussi des communautés musulmanes et juives, en est le signe. L'œcuménisme et le dialogue interreligieux sont ici profondément enracinés et je ne peux que m'en réjouir. Merci à ma famille, aux amis du diocèse de Lille et d'ailleurs, qui se sont déplacés pour cette célébration. Un grand merci à ceux qui sont désormais mes anciens diocésains, les habitants de la Seine-Saint-Denis, dont j'ai eu la joie et l'honneur d'être l'évêque durant 15 années. Merci à tous ceux et celles qui n'ont pas ménagé leur temps et leur effort pour la préparation de cette célébration. Un grand merci à chacun d'entre eux, un grand merci à eux tous. Un immense merci enfin à vous, diocésains de Strasbourg, laïcs, diacres, prêtres, consacrés, qui m'accueillez si chaleureusement. Je compte sur vous pour m'aider à découvrir notre beau et grand diocèse. Je compte sur vous pour que l'Évangile y soit encore et toujours annoncé. Je confie ma mission à votre prière et à l'intercession de saint Arbogaste, patron du diocèse, et à l'intercession de saint Odile, patronne de l'Alsace. Ensemble, avançons dans la foi, la confiance et la joie. Ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême,
vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être uni dans la patrie du ciel. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Saluons par notre chant la Vierge Marie, patronne de notre cathédrale. Oh,
pas moyen de faire tout le travail précipité. C'est incroyable.
Oui. N'empêche que peut-être ça.